leur délégation de l'Université de Louvain. D'accord. Ah, et oui. Donc, ce sont ma collègue, professeur Anne Legrève, et alors Alain De Proès, qui est notre assistant. Et tous les étudiants ici se spécialisent en protection des végétaux. En protection des végétaux. Donc, le lien avec Sylvain. C'est un autre ligne de recherche. Et donc on est ici dans les Pouilles et chaque année on organise avec les étudiants qui terminent leur master un voyage et ils ont choisi cette année les Pouilles parce qu'il y a cette problématique de Xylella. Donc hier on a eu l'occasion d'aller faire tout un tour dans le Salento et de l'Autobroche jusque dans le sud. J'espère qu'il y aura aussi l'occasion de voir pas seulement les arbres détruits. Il y a 3000 échantillons dans différents laboratoires et ça c'est principalement c'est un laboratoire didactique de première année et il vient utiliser maintenant il y a mon collègue qui est en train de travailler sur l'extraction de l'ADN. Donc il est utilisé comme, principalement pour faire ça. Après, les risques, pourquoi maintenant on n'a pas de matériel végétal, on n'est en train pas de faire des analyses. Ou des matériaux végétaux qui est en train d'entrer. Nous, on entre toutes les choses qu'on va faire, des analyses pour les phytosanitaires. Comme vous avez vu, c'est double porte, c'est tout fermé quand on travaille à l'intérieur d'ici. Principalement pour Xylella fastidiosa, principalement le risque, c'est qu'on va contrôler qu'à l'intérieur des champignons, il n'y a pas des insectes qu'on peut le transférer par l'analyse et pour soi, pour ça. Si vous avez des questions sur cette chose forte pour les plantes qui m'échantillon, ces sont visibles directement avec les idées. Regarde ça, ce sont des positifs qui sont sortis. Okay. Chaque cadre, c'est en plante. Okay. Ce sont différents. Là où vous regardez qu'ils sont verts, on pense que c'est négatif, hein? Mais pour être sûr, on le va regarder par stéréomicroscopie, on ne convient pas des précipitations. Donc, normalement, 1, 2, par exemple, sont positifs. Si on prend positif, ça elle est positif. Il y a un collègue qui est en train de travailler sur les nématodes. Il y a un autre collègue qui est en train de travailler sur la florescence dorée. Moi, j'ai mon box et je suis en train de travailler sur l'agrobactérium. Et les inoculations de Xylella, je le fais à la Siena. Je préfère notre service phytosanitaire. Normalement, les instituts ont plus ou moins une spécialisation. Plus ou moins. À Bari, de façon principale, on a des cours sur gestion de l'eau et gestion des sols, lutte intégrée des cultures et l'agriculture biologique. Ce sont les trois masters qu'on a ici. Le reportage que Euronews a fait sur le projet CureXF. Cinque anni fa questa era una fiorente piantagione di olivi secolari, poi improvvisamente un batterio chiamato Xylella fastidiosa ha iniziato a seccare gli alberi. I tre anni. La malattia Xylella fastidiosa sta ormai distruggendo completamente. Sono tutti coinvolti nel progetto europeo CureXF per stabilire strumenti diagnostici precoci e condividere le conoscenze per combattere con più efficacia il batterio killer. Prima si riconosce la malattia meglio è per poterla affrontare, è la prima cosa che stiamo facendo. La seconda cosa è di mettere insieme le conoscenze, perché questa dovrebbe essere affrontare una cosa multidisciplinare. Non possiamo soltanto dal punto di vista biologico, ma anche dal punto di vista sociologico, economico, ma anche biotecnologico. I batteri vengono principalmente... È in grado di colonizzare e quindi di insediarsi esclusivamente nei cosiddetti vasi xilematici, ossia nei vasi che trasportano l'acqua e i sali minerali dalla pianta, dalle radici verso l'alto. Il batterio ormai è considerato endemico, quindi non più
eradicabile, non più eliminabile, e quindi dobbiamo conviverci col batterio, e su cui la ricerca si sta muovendo su delle piante di tipo tolleranti o a bassa suscettibilità. Questa serra ha 23 varietà di olivo potenzialmente resistenti all'agente patogeno. Altre 500 varietà sono attualmente in fase di studio in campi sperimentali. Abbiamo già individuato due varietà resistenti, che sono Leccino e FS17 o Favolosa, ma questo è solo il punto di partenza, perché l'obiettivo è cercare una varietà ancora più resistente. Les olivriers, c'est vraiment... On se rend pas compte du problème et d'un coup en passant en roulant quelques minutes on voit c'est plutôt le choc de ça doit être une catastrophe en soi pour tous les producteurs et pour un peu l'historique. On voit que ça vu que on voit que c'est vraiment la culture d'ici. C'est impressionnant. L'arbre qui fait paysage, qui fait histoire ici. Pourquoi il y a des arbres de 1500, 2000 années? Ils ont vu les empires romains, ils ont vu les byzantines, ils ont vu les arabes, ils ont vu tout. Et maintenant ils sont en train de mourir. Il y a tout une histoire, il y a un paysage qui est en train de se perdre. Et déjà, on veut, seulement pour, je ne sais pas si vous avez déjà dit, seulement la province de l'Est, il avait 12 millions d'arbres des oliviers. La région de la Puille, il y a 60 millions d'arbres d'oliviers. Vous considérez, c'est la chose que vous avez vue hier sur Gallipoli, on ne va pas trouver dans toute la région. Qu'est-ce qu'on va avoir comme chien? Pas seulement comme production, comme impact économique. Pour les producteurs, les agricultures, les olivriers, l'industrie. Qui prend un petit peu pour arriver greening. C'est déjà la porte sur les oranges. On ne veut préparer en avant, pas quand il va être ici ou sous les autres. Of some infected crops or some other reasons that can, in a second moment, let's say, generate the outbreaks even in New Zealand. So she was called as an expert in this, even if she's still a PhD student. Because the point is that she was like you once she started to work within this project with us. She was a 50-year student of degree. And the idea was to study as far as we can the vector. Because we have a specific situation here, and the middle spittle bug of Phalaenopsis plumarius, until today, is the most effective one in transmitting the problem. And the combination that took place here in Puglia between the bacteria and the vector is, from a scientific point of view, astonishing. From a social point of view, dramatic. Because Phalaenopsis plumarius, I don't know if you ever heard about it. Is there a difference between the behaviors of an insect with Xylella and the behavior of an insect without Xylella? You mean about Xylella? Maintenant, les producteurs veulent changer d'activité parce que vu le fait qu'il n'y a pas vraiment de solution pour l'instant, il y a quoi comme alternative pour à l'heure actuelle? Si le 100% is the percentage of attack in one orchard once the Xylella enter of the crops. In the other variety, the other species, such as the almonds or whatever, there is not this high percentage. Everything dies. So you should call the colleagues if a precious time, very nice presentations and visits. Thank you very much. Et de mon côté, moi ça fait deux fois que je viens en quatre ans. Et pas vraiment ici au CIEM, mais ici c'est la première fois, mais c'est interpellant. Voilà. C'est très interpellant. Je viens par l'esprit.